Comme il en est coutume chaque année, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, a célébré ce vendredi 23 décembre 2022 à la Bourse du Travail la 8e édition de Noël des enfants des travailleurs. Le bal de cette célébration qui exclut toute discrimination a été ouverte par le mot de bienvenue de la présidente du Comité national pour la promotion des femmes travailleuses de l'UNSTB. D'ores et déjà, nous vous signalons que grâce au dynamisme, à la perspicacité et à la proactivité des responsables syndicaux et les membres du comité d'organisation, cette édition sera inédite et spéciale. Une amélioration qui s'impose car il s'agit de célébrer les parents de demain. Porteur de cette initiative festive, le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin explique et exhorte. Je voudrais vous dire que si vous venez ici pour fêter, il ne faut pas simplement fêter. Il faut garder dans la tête que ce lieu, c'est la maison des travailleurs. C'est la maison où on défend les travailleurs. C'est la maison où on apprend à être social. C'est la maison où on apprend à être solidaire. C'est la maison où on apprend à se soutenir. Et donc, lorsque vous allez quitter ici, que ces vertus-là puissent entrer en vous. La marraine de cette 8e édition remercie l'idée du secrétaire Apollinaire Afewe et fait un clin d'œil à tous les enfants du Bénin. D'abord, dit merci au SG et au comité des femmes qui ont eu confiance en nous et qui nous ont choisi pour parrainer cette édition de la Noël des enfants. Et à travers ces enfants, nous pensons aussi à tous les enfants du Bénin. Descendu des cieux avec des milliers de cadeaux, Papa Noël n'a oublié aucun bout de chou dans la distribution de ses présents. Ainsi, dans leur belle tenue locale avec à la main un cadeau, les enfants des travailleurs du Bénin ont exprimé leurs émotions. Je suis très heureux et très content pour ce cadeau que je viens de recevoir et je remercie mes parents et les membres de l'organisation. Et j'aimerais aussi revenir l'année prochaine pour pouvoir revivre ces sentiments. Je remercie mes parents, tous ceux qui ont contribué à ce cadeau. Je remercie le comité d'organisation qui s'est vertu depuis 8 éditions à mettre la joie au cœur des enfants pour, à l'occasion de la fête de Noël. Je demande au bon Dieu de leur accorder la grâce de pérenniser cette initiative. Sous les échos des chants de Noël, des danses folkloriques, la 8e édition de Noël des enfants des travailleurs du Bénin a pris fin par la présentation des parrains de l'édition prochaine.